Kate Middleton a été poursuivie par les paparazzi qui ont grimpé dans des bus pour la prendre en photo et ont dû être jetés par le chauffeur, a affirmé un ancien photographe royal dans une interview de Retour. Le duc et la duchesse de Cambridge, tous deux âgés de 39 ans, ont été photographiés à l'extérieur de l'aéroport des Heathrow la semaine dernière. Le prince William et Kate ont été aperçus avec leurs trois enfants, le prince George, 8 ans, la princesse Charlotte, 6 ans, et le prince Louis, 3 ans. Le couple aurait emmené les jeunes à l'étranger pour les vacances scolaires d'octobre. La famille a été vue en train d'arriver à la suite exclusive Windsor à l'aéroport, suivie d'un contrôle de sécurité. Leur nounou du Norland College, Maria Teresa Turion Boralio, était également en remorque, selon Mail Online. Les Cambridge ont utilisé des Audis noircis pour se rendre à la suite Windsor, qui se trouve à l'intérieur du Terminal 5 et coûte 3300 livres pour un séjour de 3 heures. On ne sait pas où la famille s'envolait. Mais les Cambridge ont eu un emploi du temps chargé ces dernières semaines. William et Kate ont assisté à la cérémonie de remise des prix du premier Earthshot Prize du Duc le week-end dernier. Kate a remis l'un des prix, avant d'apparaître au lancement de la campagne Taking Action en Addiction quelques jours plus tard. La duchesse a prononcé un discours sur certains des malentendus autour de la toxicomanie alors qu'elle apparaissait à l'événement aux côtés des hôtes TDEC. Kate a été félicitée pour ses discours. Les commentateurs notant comment elle est devenue son rôle royal au fil des ans. Cependant, des témoignages déterrés révèlent que la relation de Kate avec les médias n'a pas toujours été facile. L'ancien photographe du Sun, Arthur Edwards, a déclaré en 2010 que Kate avait reçu beaucoup d'attention de la part des paparazzi, dont certains avaient même eu recours à « monter dans des bus » pour prendre des photos d'elle. L'ex-photographe a fait cette déclaration lors de son témoignage pour une enquête parlementaire britannique sur l'autoréglementation de la presse britannique et l'efficacité du code de pratique de la commission des plaintes contre la presse.